Coucou les filles, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo assez spéciale. Donc je vais réaliser une coiffure, mais je ne sais pas laquelle. Donc je vais faire ça devant vous. Vous me direz si ça vous plaît ou pas ce genre de vidéo. Donc pour cela, il vous faut de la laque. On va prendre des élastiques transparentes. Et puis prenez comme d'habitude hein, des petites barrettes. Comme ça. Voilà. Et sans oublier une brosse. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait en avance? Comme vous voyez ma tête, j'ai bouclé ma tête, n'importe quoi. J'ai bouclé mes cheveux avec toujours ma machine de chez Babyliss. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez savoir comment je réalise mes petites bouclettes. Donc ça m'a pris, même pas sans mentir, 20 minutes, hein, vu que je les avais lavé hier soir mes cheveux. Donc ça boucle super vite. Sinon, vous mettez une heure avec votre fer à lisser ou votre fer bouclé. Moi, en 20 minutes, j'ai les cheveux bouclés. Donc j'ai pensé faire une coiffure un petit peu rock. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Donc on va essayer de faire tout ça. Donc vous allez prendre d'abord vos élastiques, vous allez les mettre de côté. Il en faut 3. Voire 4, je sais pas encore. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire en 3 parties. Donc, quand je dis 3 parties, c'est on va mettre 3 élastiques en fait. Donc là, je vais prendre mes cheveux de devant là. Voilà, toujours la même dimension. Que ce soit égaux. Voilà. Et on vient attacher. Si on va venir la mettre devant comme ça, et ici on vient mettre tous vos cheveux sur le côté comme ça. Donc là, ça sera la deuxième partie en fait à attacher. Ça donne donc j'ai fait en 4 parties, je pensais 3 mais non 4 vu que j'ai les cheveux longs et j'ai une grosse touffe, 4 c'est bien. Donc maintenant qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je me disais qu'on pouvait en fait faire des sortes de faire un chignon en fait comment on dit rock'n'roll hein, c'est ça hein. Donc je me dis qu'on va faire des petites boules comme ça en fait, que vous allez venir maintenir avec des barrettes comme ça. Donc le devant est très important. Donc ça, je viens le mettre comme ça. N'hésitez pas avec les barrettes, hein, il faut que ça tienne. Voilà. Je fixe ça. Voilà. Donc après on continue. Là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mettre comme ça. Ok. Comme ça.
ressemble à ça, ça ressemble à rien. Donc vous allez prendre des petites barrettes comme ça et on va faire le retouche derrière. Par contre, le devant, ça ne me plaît pas du tout. Donc, déjà, ça, je t'enlève. Voilà. Je vais essayer de faire quelque chose de bien devant. Quelque chose qui... C'est là qu'on va regarder. C'est comme ça, hein. Donc là on va venir faire comme ça. En même temps, je vais cacher la barrette. Ouais, faire un genre comme ça. On va mettre une barrette en fait. Prenez les petites barrettes. Hein. Plus c'est petit, mieux c'est. Voilà. Donc là, comme ça. Et voilà. Donc, ouais, ça le fait. Vous pouvez mettre des petits accessoires comme d'habitude. Donc là, j'ai mis un seul papillon. Je pense que ça le fait. Hein. Vous en dites quoi? C'est comme si j'avais fait un nœud en fait. Au milieu, je mets le papillon. Et là. Par exemple, sur les côtés, vous pouvez mettre plein de petites fleurs là où je me dis, ou sinon, des toutes petites barrettes avec des petites boules. Allez, on va essayer. J'ai mis les petites pinces là, vous me dites si vous aimez ou pas, ou ça fait mieux sans. Donc, c'est à vous de me dire ça. Donc, par contre, là, ça me gêne. Donc, on vient prendre des petites barrettes comme d'hab. Hop! Ça va couper. Donc voilà, je vous montre vite fait le résultat. Ben quoi, vous avez eu peur? Vous pensez que je pouvais pas me déguiser en Halloween? Aussi, je suis déguisée, donc du coup vous avez la coupe plus le maquillage. Je l'ai pas filmé parce que sur YouTube il y a plein de vidéos où les nanas se maquillent comme ça, donc je me suis dit je vous mettrai le lien par contre de la vidéo. Donc je me suis dit je vais pas filmer ça, en plus il faut du temps, il faut filmer, il y a le montage, patati patata. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît, hein. Donc les produits que j'ai utilisés, c'est tout ça. J'ai acheté ça pour mes enfants pour Halloween. Donc j'ai pris le blanc pour ça là, pour le teint. Et tout ce qui est, bah là j'ai pris le eyeliner en fait. J'ai pris un eyeliner, ce eyeliner. Donc ça, les couleurs, j'ai pris la couleur de chez Kiko. Donc là, je vais galérer pour enlever tout ça, mais bon, c'est pas grave, on a l'habitude.
Et j'ai pris la vis palette pour la couleur bleu et doré. Donc voilà, j'ai pris ce bleu et puis le doré. Voilà, donc c'est tout, hein. J'ai pris 3 couleurs. 1, 2, 3, 4 couleurs. J'ai pris plus le blanc pour le teint et puis voilà. Donc là, je vais galérer à enlever tout ça, mais bon, c'est pas grave. C'est le fun. Donc, dites-moi si ça vous plaît, mon petit masque d'Halloween. Hein. Vous avez eu peur, hein, franchement. Vous m'avez reconnu ou pas, la vérité. Donc, voilà. Moi, je vois que c'est possible, mais bon. Vu l'heure, là, ça m'a pris au moins une heure hein, à faire tout ça. Hein. C'est galère. Donc, voilà. Bon, ben, je vous dis à très vite, hein. Donc ça c'est ma petite coiffure, donc vous pouvez vous coiffer comme ça et mettre des grosses fleurs là, je sais pas, tout le monde met des grosses fleurs, ça va être la mode. Hein. Donc voilà, bon bah je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Si vous voulez revoir des vidéos comme ça, si ça vous plaît, dites-le moi aussi en commentaire. Et puis voilà, donc je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.